السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية، ودرسنا اليوم في مادة لا غرامير وعنوانه ليزادجيكتيف كاليفيكاتيف. قد سبق أن رأينا هذا الدرس ليزادجيكتيف، وهو هي الصفات أو النعوت النعت. بعد قراءتنا لهذا النص الذي سبق أن رأيناه في حصة سابقة، سوف نمر إلى الأسئلة المرافقة للنص. في فقرة j'observe et je découvre، في السؤال الأول، l'Alhambra est un palais qui se trouve en France, en Espagne, au Maroc. وقد رأينا أنه يوجد في إسبانيا. C'est un palais qui se trouve en Espagne. في السؤال الثاني، il est construit par les Espagnols ou bien les Arabes. رأينا أن العرب هم الذين بنوا قصر الحمراء. En visitant le palais, quel sentiment l'auteur éprouve-t-il? C'est est-ce que de la joie, la peur, l'émerveillement? C'est l'émerveillement. هذه الأسئلة قد سبق وأن أجبنا عنها في درس la lecture. في السؤال الرابع، pour décrire la beauté du palais, l'auteur a utilisé des noms, des verbes, des adjectifs. قد استعمل des adjectifs وهي صفات ونعوت، استعملها لوصف الحديقة ووصف القصر. في السؤال الثاني أو في فقرة je manipule et je réfléchis، في السؤال الأول، souligne dans le document tous les mots qui qualifient le jardin. سوف نقوم بوضع سطر تحت جميع النعوت التي تصف القصر. L'Alhambra est un merveilleux palais. قصر عجيب ومدهش. Qui se trouve dans la ville de Grenade en Espagne. Il fut construit par les Arabes au XIIIe siècle. L'année dernière, je l'ai visité. J'étais émerveillée par sa beauté. Émerveillée. Une atmosphère de sensualité régnait sur les lieux. Ses murs en céramique et en plâtre étaient décorés. Riche et exquis. Son jardin est constitué de tout ce qui pouvait donner du plaisir aux cinq sens de l'homme. Pour la vue, il y avait des belles couleurs, la douce lumière et l'ombre fraîche, هواء منعش. Pour l'odorat, il y avait les plantes odorantes, نباتات عطرة، et le doux parfum وعطر ناعم des fleurs. Pour louer, il y avait le murmure de l'eau fraîche. Pour le toucher, il y avait les différentes textures différentes des matériaux, et pour le goût, il y avait la saveur des fruits délicieux. Délicieux, c'est un adjectif. Puis, السؤال الثاني، classe-les dans le tableau suivant. تلك النعوت سوف نقوم بوضعها داخل هذا الجدول، وهذا الجدول في خانة لي نون الأسماء، لي فيرب ديتا أي أفعال الحالة، و لي زادجيكتيف وهي النعوت. سنقوم بوضعها في هذا الجدول كما ترون. فقمنا بوضع الأفعال، لي فيرب ديتا هي الأولى، وقد وجدنا بأنها في النص. C'est le verbe être. Et était في جميع في أزمنة l'imparfait. وبالنسبة للأسماء، كل اسم و l'adjectif الملاصق لهم. Palais merveilleux. L'année dernière. Couleur belle couleur. Lumière douce. L'ombre fraîche, les plantes odorantes, parfum
دو l'eau fraîche. Différentes textures. Du fruit délicieux. وبالنسبة لهناك adjectif أخرى émerveillé وهي توجد بعد les verbes d'état. Émerveillé, décoré, riche et exquis. هذه les adjectifs تسمى les adjectifs qualificatifs attributs لأنها توجد بعد les verbes d'état. Fi fakrat, je retiens, complète cette carte mentale pour attribuer au sujet épithète du nom. L'adjectif qualificatif est un mot qui se rapporte à un nom ou un pronom. Huwa sifa aw nat taltasiqu bi al-ism bil-ism aw bi ad-damir. Pour le qualifier, litasifahu, elle apporte une précision. Classe grammaticale adjectif. Fonction grammaticale devant, derrière un nom. الذي يكون قبل أو بعد الاسم يسمى epithet. Séparé au nom par une ponctuation faible. Derrière un verbe attributif, c'est l'adjectif attribut. كما ترون في المثال هنا لو جاردان اي ميرفيو لادجيكتيف اتى بعد ان فيرب ديتا ان ميرفيو مونيمون النعت ملتصق بالاسم اذا لادجيكتيف كاليفيكاتيف ايبيتات هو الصفه ملتصقه بالاسم قبله او بعده مباشره اما لادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبي فهو ياتي بعد ان فيرب ديتا في فقرة je m'entraîne في السؤال الأول souligne l'adjectif qualificatif de chaque groupe nominal et précise sa fonction. Nous avons fait une longue promenade. L'adjectif qualificatif هنا في هذه الجملة وهو epithet لأنه ملاصق للاسم. في بين les fruits semblent mûrs. هنا لدينا un verbe d'état اي النعت التي ستكون l'adjectif الذي سيكون بعده سيكون attribut. Cette plante majestueuse séduit de nombreux visiteurs. Plante majestueuse c'est un adjectif épithète. De nombreux visiteurs هو ايضا adjectif épithète. De loin l'Alhambra semblait plus beau. Plus beau, c'est un adjectif qualificatif épithète. L'inno, afwan, attribue l'inno atabada, un verbe d'état. Cette plante est magnifique. Magnifique, c'est un adjectif qualificatif attribut. L'inno atabada, un verbe d'état, c'est le verbe être. Grâce à ses larges feuilles aplaties, larges et aplaties, ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes لأنها ملاصقة le nom, l'esm. Les fines écorces marron. Les fines et marron, ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes. Les roses épanouies exhalent un doux parfum. Épanouies, ملاصقة les roses et doux. Moulasika le parfum, c'est un adjectif, ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes. Les arbres sont dépouillés, dans un verbe d'état, c'est un adjectif qualificatif attribut. Elles allongent leurs bras amaigris. Amaigris, c'est un adjectif qualificatif lié au nom, c'est un adjectif épithète. Un grand arbre fruitier. Grande et fruitier sont liés au nom. Ce sont des adjectifs qualificatifs épithètes. Et donc, سوف في هذه الورقة بالنسبة للأدجكتيف في الجملة A فهو épithète
في بين أتريبي في سين إبيتات هي إبيتات دين أتريبي أ أتريبي إف إبيتات جين إبيتات H le premier adjectif c'est attribut et le deuxième c'est épithète. La phrase in c'est un adjectif épithète. Elle tenait recouper les phrases en supprimant l'adjectif épithète. On parle le jumal fi daftarika bidouni adjectif épithète ay mushattiban ala l'adjectif épithète. Elle regarde les arbres. Celui-ci a une branche. Est-ce un chêne? Est-ce un chêne? Yani, قولك شطب على l'adjectif épithète. Son écorce le protège des petits insectes. Ça fait nous شطب على les petits. Le protège des insectes et du froid. Les feuilles de l'arbre sont tombées. في ورقة جانبية سوف نكتب هذه الجملة. Elle regarde les arbres. Celui-ci a une branche. Est-ce un chêne? Son écorce le protège des insectes et du froid. Les feuilles de l'arbre sont tombées. في فقرة je m'évalue souligne les adjectifs épithètes en rouge et les adjectifs attributs en vert. Justifier ta réponse. في هذا السؤال سوف نقوم بوضع سطر أحمر تحت الأدجكتيف أتريبي و عفوا سطر أحمر تحت الأدجكتيف إبيتات و سطر أخضر باللون الأخضر تحت الأدجكتيف أتريبي. Un jour j'ai visité le jardin de la Lambra. J'étais ébloui. لدينا هنا un verbe d'état. إذن سوف يكون أدجكتيف أتريبي en verbe. Par sa beauté fascinante, la beauté fascinante, c'est un adjectif qui est lié au nom, c'est un adjectif épithète. Le couloir par lequel les visiteurs entraient était orné. Était, c'est un verbe d'état, alors c'est l'adjectif et attribut. Orné des fleurs, la rangée d'arbres qui bordaient la grande cour, la grande cour, cour c'est le nom, la grande c'est l'adjectif qualificatif épithète. Était magnifique. Était c'est un verbe d'état, alors c'est l'adjectif, ici c'est attribut. La terre était vêtue. On a un verbe d'état, l'adjectif c'est attribut. De fleurs colorées, colorées est lié au nom de fleurs, c'est épithète. De toute forme et de toutes sortes. Les oiseaux exprimaient leur admiration pour les fleurs avec leur beau chant. Le chant, c'est le nom. Et le beau, c'est adjectif qualificatif, épithète. Accompagné, c'est épithète, de murmures de l'eau qui coulait et jaillissait des fontaines richement décorées. Décorées, c'est un adjectif épithète lié au nom. J'étais fasciné, c'est un verbe d'état, alors c'est un adjectif attribut, par ce monde merveilleux, c'est adjectif épithète lié au nom. J'ai réalisé combien les Arabes étaient des ingénieurs paysagistes extraordinaires. Nisbati les paysagistes extraordinaires, c'est épithète. سوف نكتبه باللون الأحمر عفوا. On a paysagiste et extraordinaire. Ce sont des adjectifs épithètes. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله.